aujourd'hui, on va présenter une vidéo sur quelques exercices de concentration pour aider à la mémorisation, à la concentration et surtout pour s'amuser un petit peu en famille pendant ces temps de confinement. Et puis, je vais proposer aussi pour ma part des exercices qui vont aider à relâcher aussi les tensions quand il y a un petit peu trop d'agitation, ramener le calme, se recentrer et puis travailler un petit peu sur les émotions. Alors, le premier exercice que je vous propose, on a besoin d'un petit accessoire. Ça pourrait être une petite plume, mais si vous n'avez pas à la maison, ça peut être aussi un petit bout d'essuie-tout. On en prend juste un petit bout, hein. On n'a pas besoin d'avoir toute la feuille. Et on va travailler, on va le mettre de cette façon-là. On va le travailler avec le souffle, travailler ce qu'on appelle les petits coups de vent et les gros coups de vent. Alors le petit coup de vent, on va prendre notre inspiration par notre nez et souffler tout doucement sur le petit bout de papier. Pour le faire bouger tout doucement, tout tranquillement, plus on va souffler lentement, plus on va calmer. Et puis, quand il y aura un peu trop d'agitation, on va vraiment avoir besoin d'évacuer de la colère, de la peur ou de la tristesse qui serait vraiment très présente, très intense. On va faire la même chose, on va prendre de l'air avec son nez, mais par contre, sur l'expiration, on va souffler très fort sur le petit bout de papier ou sur la petite plume ou sur le petit bout d'essuie. Et à chaque fois qu'on va utiliser notre souffle, on va y mettre cette intention physique, donc d'y aller doucement, petit coup de vent pour calmer et gros coup de vent pour évacuer. Et on va y mettre aussi cette intention au niveau du mental. C'est-à-dire que si je souffle aussi sur mon papier tout doucement, je vais penser aussi dans ma tête, calme, calme, calme. Et si je vais souffler très fort, je vais penser aussi très fort dans ma tête que je veux faire sortir cette émotion, que je veux faire sortir cette colère ou cette tristesse ou cette peur, que je veux lâcher. Donc là, ça sera plutôt lâcher, lâcher, lâcher. Voilà, ça c'est un premier exercice qui aide beaucoup. Ça, on peut le faire vraiment en famille aussi, hein, à la fin d'une journée par exemple, ou quand on voit que les enfants sont trop agités. Allez, on va faire un gros coup de vent ou un petit coup de vent pour ramener justement ce bien-être et travailler tranquillement au niveau émotionnel hein, s'il y a besoin. Les autres exercices que je vais vous proposer, alors je vais me déplacer un petit peu parce que c'est des exercices où on va utiliser en fait tout notre corps. Ça fait un petit peu bizarre que je m'installe comme ça en vidéo. C'est pour la bonne cause. Alors, je vous propose de vous allonger, dos bien à plat. Et puis, on va faire ce qu'on appelle l'étoile de mer. Alors, l'étoile de mer, on va utiliser les 5 branches de l'étoile de mer, qui seront nos deux bras, nos deux jambes, et notre dernière branche, ça sera notre tête. Donc, on va venir étirer en même temps ces 5 branches de l'étoile de mer. Pour étirer les jambes, on va tendre nos pointes de pied vers l'avant. Pour étirer nos bras, on va étendre nos bras et bien écarter nos mains. Et pour notre tête, on va juste relever un tout petit peu la tête pour étirer le cou et la nuque. Et on va faire ça tout en même temps avec la respiration. J'inspire, j'étire tout, je souffle, je relâche. Ok, donc là, tu es en train d'étirer la tête, les pieds et les mains qui sont vraiment étirés de cette manière-là. Hein. Exactement, on étire tout et en fait, on va se rendre compte que quand on fait cet exercice de l'étoile de mer, quand on est en croix comme ça, notre croix, elle va venir se croiser au niveau de notre plexus solaire. Mm. Donc, quand on va faire ce mouvement de tout étirer en même temps, on va venir du coup étirer cette zone-là, ce plexus solaire dont on a déjà parlé dans les précédentes vidéos. Donc, il va nous aider aussi à bien relâcher, non seulement au niveau corporel, mais aussi beaucoup au niveau émotionnel. Donc, c'est un exercice qui va aussi beaucoup poser, beaucoup calmer. Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire, par exemple,
en fin de journée. Quand il y a eu beaucoup d'agitation, beaucoup d'émotions, on se pose et on fait 5 fois l'étoile de mer. Pareil, on peut faire un jeu, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on est couché sur la plage comme une étoile de mer et puis hop, il y a une vague qui arrive. Et quand la vague arrive, oh, on étire. Et quand la vague repart, on relâche. Et la vague arrive, on étire. Et la vague, elle repart et on relâche. Donc ça, c'est le premier exercice que je voulais vous proposer. Le deuxième exercice, ça s'appelle le poisson. Et alors le poisson, on va se mettre ce coup-ci à plat ventre. Et on va travailler de la même façon avec les jambes, avec les bras et avec notre tête, mais ce coup-ci dans l'autre sens. Le premier exercice du poisson, il va venir étirer ses petites nageoires en bas. Et pour ça, on va tranquillement, alors on va se poser tranquillement comme ça. Et on va commencer par étirer une jambe, on repose, l'autre, on repose. Puis on va poser nos mains à plat et on va venir redresser. Et un peu comme du yoga au fait. Hein. Et le dernier, on met tout en même temps. On en voit bien les yeux. Et on relâche tout. Donc un coup une jambe, on inspire. On souffle. Et on relâche. Voilà pour le poisson. Donc il y a un petit peu le même exercice dans l'autre sens, hein, puisque pareil, on va étirer tous nos membres. Et sur le dernier exercice, quand on rejoint nos pieds, qu'on s'étire, on va venir encore une fois travailler le plexus solaire. Je sais que je suis un peu pénible avec ce fameux plexus, mais en sophrologie, c'est tellement une zone qu'on travaille énormément sur pratiquement tous les exercices, que ce soit physique, que ce soit mental. C'est tellement une zone essentielle au corps que c'est important aussi de pouvoir avoir des petits trucs pour le débloquer au fur et à mesure. Donc ça, c'est des exercices très ludiques avec les enfants. Surtout que ça a des noms, l'étoile de mer, le poisson. Donc ça permet justement de prendre ça comme un jeu. Le dernier exercice que je vais vous proposer, je dois mettre, alors je ne sais pas si ça marchera, mon téléphone cousu dans ce sens-là. Et je vais vous proposer le pendule pour relâcher aussi toutes les tensions qu'on pourra avoir au niveau du haut du corps. On va prendre une inspire. Et sur l'expire, on va venir tout doucement et quand on sera en bas, on va balancer notre corps à droite et à gauche, tranquillement aussi, en respirant. Je vais le faire avec toi aussi. Et quand on aura fait 3 respirations de gauche à droite, on va faire 3 respirations devant vers l'arrière. Ok. Et on laisse nos bras revenir tranquillement. Et quand tout est posé, on prend une grande inspire. Et on se redresse et on ouvre au niveau du plexus. Et on relâche. Alors le pendule, j'ai essayé de le faire en même temps que toi. Effectivement, ça fait vraiment du bien. Ça relâche bien les tensions du haut du corps. Ça relâche vraiment bien, ça relâche aussi les tensions au niveau de la colonne vertébrale. Ça va travailler encore une fois le plexus. Il faut bien le faire les genoux un petit peu pliés, surtout pas les genoux tendus, parce que sinon là on va se faire mal. Donc juste déverrouiller les genoux. Vous n'avez pas besoin d'être les jambes vraiment pliées, mais juste déverrouiller les genoux pour lâcher encore plus le bassin et la colonne vertébrale. Et donc on bascule 3 fois de gauche à droite et 3 fois d'avant en arrière. Toujours avec cette respiration, hein. Ça c'est hyper important parce que c'est aussi la respiration qui va nous aider énormément à relâcher les tensions, qu'elles soient corporelles ou qu'elles soient mentales. Alors moi je vais vous parler 2 minutes d'où vient cet exercice, juste pour contextualiser un petit peu. Donc c'est une des branches de la kinésiologie qui est de la kinésiologie éducative.
C'est Paul Denison dans les années 80 qui a mis en place ces exercices. Donc il y en a 26 en tout, ces 26 mouvements qui permettent de synchroniser le corps et surtout au niveau du cerveau pour accéder à son plein potentiel pardon, et pour mieux mémoriser, mieux se coordonner, etc. Donc là, l'exercice qu'on va voir, c'est un des 26 exercices qui travaille sur la latéralité gauche-droite au niveau des hémisphères cérébrales et au niveau du corps en entier. Donc ça va aider pour tout ce qui est problème de coordination, principalement quand il faut écrire par exemple, ou quand il faut écouter et se concentrer, ou quand il faut comprendre ce qu'on nous explique et le restituer par écrit. Le fait de mettre en route son corps et de se mettre en mouvement, donc ça va vraiment aider et oxygéner le corps et aider le cerveau à intégrer. Si on apprend une chorégraphie de danse, on va la retenir beaucoup plus longtemps que si on apprend simplement des listes entières de vocabulaire d'allemand. Et donc là, on voit vraiment qu'avec le mouvement, on a tout le corps qui travaille pour intégrer et mémoriser. Parce que ça passe par les trois cerveaux. On a donc le cerveau reptilien, le limbique et le cortex. Alors, je ne vais pas développer cette fois là-dessus, parce que sinon on en a encore pour un moment. On va simplement pour l'instant parler des hémisphères. Donc cet exercice va aller croiser ce qu'on appelle la ligne médiane du corps et va permettre de créer des connexions neuronales entre les deux hémisphères, comme un enfant qui apprend à marcher à quatre pattes. Les enfants qui ne sont pas passés par le stade de quatre pattes et qui se sont levés directement peuvent avoir tendance à avoir des petits soucis de coordination ou de la dyslexie, ou des problèmes d'attention et de concentration. Donc pour ces gens-là, et pour tous ceux qui auraient quand même des petits soucis de coordination gauche-droite, cet exercice va être hyper, hyper intéressant, et pour donner de l'énergie et de la dynamique le matin par exemple, ou dans la journée quand on se sent un petit peu fatigué. Je vais vous montrer, ce sera plus simple, l'exercice à faire. Il y en a plusieurs donc. Celui de base, donc ça s'appelle le cross-crawl. L'idée, c'est d'aller toucher avec ses genoux les avant-bras ou les mains. Donc simplement, on va aller faire ça en engageant bien le haut du corps. Donc l'idée, c'est vraiment d'être flexible, hein, pas de faire ça en mode robot, mais vraiment d'aller engager les épaules et tout le haut du corps. Donc ça, c'est le premier exercice. Alors déjà, ce premier exercice, je monte ma tête, il peut des fois être un peu compliqué chez certaines personnes qui ont déjà des problèmes de coordination. Faites très attention avec les enfants de bien les assister, de rester à côté si jamais ils perdent l'équilibre. Et si tout d'un coup on a de la peine déjà à s'engager dans cet exercice et puis qu'on a de la peine à se coordonner, alors faites-le tranquillement en respirant jusqu'à ce que ça vienne. On peut le faire plus doucement, plus rapidement, on peut vraiment jouer rien qu'avec cet exercice déjà. Le deuxième exercice, on va faire l'homocrawl, c'est-à-dire qu'on va refaire des mouvements mais cette fois uniquement d'un côté et de l'autre. Donc ça, c'est complètement à l'inverse de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. C'est vraiment plus pour dissocier les hémisphères. Puis pour recentrer, on va refaire du cross-crawl. Sauf que cette fois, on va ajouter quelque chose. Si c'est trop compliqué, on peut aussi le faire assis. C'est tout à fait possible, si on a des problèmes d'équilibre, de faire cet exercice tout en étant assis. Premier, c'était cross-crawl. Deuxième, homo-crawl. Troisième, on va répéter le cross-crawl, et cette fois, avec la tête bien droite, on va aller poser son regard sur un point en haut à gauche. Et on va répéter le cross-crawl, tout en respirant bien. L'idée, c'est vraiment de le faire pendant 30 secondes, 40 secondes. Ensuite, on va faire l'homo-crawl, donc debout assis. Et cette fois, on va engager ses yeux en bas à droite. On va vraiment aller tirer son regard sur un point en bas à droite, sans bouger sa tête. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Ensuite, on va rajouter encore une petite chose, donc on va refaire le cross-crawl avec le regard en haut à gauche. Et cette fois, on va fredonner. Alors, on ne va pas fredonner un chant connu, on va vraiment fredonner en inventant. C'est-à-dire qu'on va aller activer vraiment certaines parties du cerveau avec ces activités-là. Donc ça peut donner quelque chose comme... Ensuite, exercice suivant, ça va être de nouveau le homo-crawl. Cette fois, on va refaire le homo-crawl en regardant un point en bas à droite et en ajoutant le fait de compter. Donc en comptant,
Le plus simple au début, c'est de faire 1, 2, 3, 4, 5, etc. Si c'est hyper facile jusqu'ici, on peut ajouter une difficulté supplémentaire, par exemple, et proposer à l'enfant ou à l'adulte qui le fait de partir, je sais pas, de 40 à 30. Et on va faire 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Jusque-là, ça va, Garine? Ben, jusque-là, ça va. Je vois que t'essayes pas. Hein. Ben, écoute, là je t'écoute, je te regarde et je suis justement en train d'essayer de le faire dans ma tête en me disant « Oups, je suis pas sûre que ce soit si facile que ça, quoi. » C'est pas si facile que ça, effectivement, et c'est tout là l'intérêt. L'idée, c'est vraiment de jouer avec ça, de pas se culpabiliser en se disant « Mon Dieu, j'y arrive pas », parce que rien que déjà le premier... au niveau de la coordination, mais ça travaille beaucoup beaucoup de choses sans qu'on s'en rende compte, donc c'est vraiment déjà super sympa à faire pour soi. On va se rendre compte effectivement, alors quand les parents le font pour leurs enfants, c'est bien qu'ils le fassent avec, pour se rendre compte justement de la difficulté, et pour que l'enfant n'ait pas l'impression de ne pas réussir tout seul, parce qu'il verra que même pour un adulte, c'est pas toujours facile. Si on a un enfant qui n'arrive vraiment pas à aller toucher une main et son genou opposé, on peut aller mettre des rubans de couleur. Pour ceux pour qui c'est facile jusque-là, on va pouvoir rajouter quelque chose. Donc là, on a vraiment trois étapes. On a cross-crawl, homo-crawl simple, cross-crawl, homo-crawl avec les yeux, et cross-crawl, homo-crawl avec les yeux plus soit le chant, soit le fait de compter. Si jusqu'ici, ça a été un petit peu compliqué, il faut absolument pas aller plus loin. Idéalement, c'est bien de faire un ancrage de ces exercices, en passant 21 jours de refaire un cross-crawl, et cette fois, on va faire, donc le cross-crawl c'est celui-ci, avec le regard en haut à gauche, sauf que en haut à gauche, il faudra mettre un X. Donc soit vous dessinez sur un post-it un X que vous placez quelque part sur une armoire ou sur un mur en haut à gauche, soit vous imprimez un X, mais vraiment l'idée c'est d'avoir la possibilité de fixer son regard en haut à gauche sur un X en faisant le cross-crawl. Pourquoi un X? Parce que visuellement, ça traverse la ligne médiane. Et ça permet justement de reconnecter les hémisphères cérébraux entre eux et d'aller donner une information supplémentaire au cerveau, de vraiment aller refaire cette connexion. À l'opposé des lignes parallèles, quand par exemple on conduit pendant longtemps, on roule sur la route pendant longtemps et qu'on n'a que de l'autoroute, notre cerveau a tendance à se dissocier. Et on rentre presque dans un état d'hypnose. Pourquoi? Parce que ces lignes parallèles, au fait, elles déconnectent les hémisphères et le cerveau. Donc là, on va lui donner l'information de reconnecter. Quand tu parles de 21 jours, moi, oui, j'utilise ces 21 jours en sophro pour créer ce qu'on appelle un réflexe conditionné. C'est un peu la même, oui, chose? Ah oui, on parle toujours effectivement de 21 jours parce que c'est le nombre de jours, apparemment, où le cerveau intégrerait l'information comme une habitude. Après ces 21 jours, je vous invite à recommencer les exercices cross-crawl, homo-crawl et voir s'il y a eu une différence entre avant et après. On peut aussi faire ces exercices avec un objectif en tête. Par exemple, je veux lire plus rapidement ou je veux comprendre ou je comprends ce que je lis. Voilà, des petits objectifs qu'on appelle SMART et qui vont vraiment donner une intention aux exercices. Et on va voir que suivant l'objectif qu'on met en place avant les exercices, ça peut changer un petit peu notre faculté à les faire. On peut faire aussi un test avant et après. En fait, en parlant de latéralité gauche-droite, on a cet exercice de mouvement, d'où le mouvement de la balance qui était, du pendule qui était intéressant. Nous, on va aller le tester comme ça. Simplement, en se balançant de gauche à droite. Ça, c'est vraiment le mouvement qui correspond à la coordination, à la communication et à la latéralité. Et si on est déséquilibré d'un côté ou de l'autre, ça peut indiquer un déséquilibre de coordination. Et voilà, du moment qu'on sera déséquilibré d'un côté ou de l'autre, de le refaire après et de voir qu'au fait, bah, ça s'est mis tout seul en place avec quelques exercices. Si tout ça, c'était hyper simple pour vous et que vous avez pu faire tous ces cross-crawl, homo-crawl, en chantant, en cantant et en ayant les yeux à gauche, à droite, à la place de faire les 21 jours d'ancrage, on peut faire une intégration directe de ces exercices en reprenant le cross-crawl et cette fois en faisant donc le cross-crawl. Donc idéalement debout, surtout si c'était hyper facile, de mettre les yeux dans toutes les directions cette fois. Donc ça va, si vous voulez, il y a 9 directions
qui correspondent à 9 fonctions cérébrales. Et on va aller vraiment mettre les yeux, toujours sans bouger la tête, dans ces 9 directions. Et après, on peut jouer en faisant soit des 8 couchés, soit des balayages rapides, et voir ce que ça donne au niveau de l'équilibre et de la coordination. Les 9 fonctions cérébrales qui sont associées au regard, si jamais tout d'un coup quelqu'un a une problématique pour aller tirer son regard d'un côté ou de l'autre, ou perd toujours l'équilibre du même côté, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur Instagram ou sur Facebook, et comme ça je pourrais vous donner exactement la signification en fait de l'endroit, parce que chaque position oculaire a une signification. Ensuite, l'autre exercice, donc là on est dans l'intégration, hein. Ça va être de faire l'homo crawl, donc celui-ci. De nouveau avec les yeux dans toutes les directions. Et la troisième, ça va être de faire ce cross crawl à nouveau et avec le X en haut à gauche comme pour l'ancrage. Pour resynthétiser, donc on a cross crawl simple, homo crawl simple, cross crawl et homo crawl avec les yeux en haut à gauche, en bas à droite. Ensuite, on ajoute le fredonnement et le fait de compter. Si ça c'est ok, on peut passer à la suite, et si c'est pas ok, on fait les 21 jours à la maison. Et la suite, donc c'est cross crawl avec les yeux dans toutes les directions, homo crawl avec les yeux dans toutes les directions, et on termine avec le cross crawl et les yeux en haut à gauche avec le X. Et ensuite, donc on peut refaire son petit test de balancier et voir si ça a été modifié. On peut tester sa coordination, si par exemple on fait de la musique, de la batterie, ou simplement on peut écrire un mot avant, puis réécrire après, et voir si ça a changé quelque chose au niveau de l'écriture. C'est toujours intéressant de faire un petit exercice avant, et un petit exercice qui est répété, donc le même après, pour constater, surtout pour les enfants, pour constater qu'il y a vraiment eu une modification et un changement. Ça va aussi aller informer le cerveau que quelque chose s'est passé et qu'il y a eu une transformation. Donc voilà toute l'idée au fait de la kinésiologie, donc le mouvement par la parole et le mouvement éducative. On est super complémentaires parce qu'en sophro, on a beaucoup d'exercices aussi justement sur l'équilibre, comme ça. Oui. Pour ramener aussi, travailler cet équilibre et ramener l'équilibre où on travaille encore une fois beaucoup sur le plexus solaire qui est notre centre d'équilibre. Aussi pour ramener justement ce centrage et être capable justement de maintenir cet équilibre correctement et de l'utiliser justement aussi à bon escient, cet équilibre, parce qu'il nous aide aussi énormément au quotidien s'il est bien ancré. Complètement. Et pour rebondir sur ce que tu dis, en kinésio et en sophro et dans beaucoup de thérapies complémentaires, j'imagine, l'idée c'est que tout est lié. On est des thérapies holistique, donc l'idée c'est qu'on a un corps physique, un corps énergétique, un corps émotionnel, etc. Et que si on est en équilibre, si on est équilibré au niveau du corps, au niveau de la structure, ça aura une répercussion aussi sur le mental et vice versa. Exactement. Merci beaucoup pour ces super exercices que je vais essayer rapidement, parce que ça me donne bien envie, mais pas de me ridiculiser devant tout le monde si jamais ça marche pas. Donc je le ferai bien tranquille dans mon coin, et puis je te donnerai les... Ben volontiers, mets-toi vers un mur ou avec une chaise, parce que c'est vrai qu'on peut perdre l'équilibre, donc pour éviter d'avoir des blessures sur ma conscience, faites attention quand vous faites cet exercice. N'hésitez pas à donner des feedbacks aussi sur nos exercices, à nous envoyer des photos ou des vidéos ou simplement des feedbacks sur ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, etc. Ouais, ça serait sympa d'avoir votre retour. Si vous avez des petites vidéos sur les exercices que je vous ai proposés au début, sur le poisson, sur la pendule, sur l'étoile de mer, ça peut être sympa de partager ça avec nous. Si ça, on n'a pas l'air ridicule toute seule. Voilà. Moi, tout à l'heure, je me suis un petit peu sentie seule sur mon canapé. Et pourtant, je t'ai accompagnée sur le pendule. Alors, moi, j'ai des jeux à vous présenter, des jeux à faire en famille, des jeux qui vont aider beaucoup à travailler, donc, comme je vous disais en début de ce live, au niveau émotionnel. Alors, le premier que je vous propose, ça s'appelle les mandalas de lumière. Et pour ça, je vous propose de dessiner des petits cercles. Enfin, des grands cercles, un grand cercle au début, donc commencer par le plus grand, puis en faire jusqu'à ce que
on arrive au centre. Une fois que vous avez terminé ces cercles, vous demandez à votre enfant, ou à vous, hein, de dessiner des petits objets très simples à l'intérieur des cercles. Donc ça peut être une petite fleur, un cœur, un arbre, juste un carré, juste un petit ballon. Ça, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que ce soit son imagination qui puisse être justement posée. Et ensuite, la dernière chose à faire, alors là, je ne l'ai pas fait parce que je voulais déjà que vous voyez exactement comment ça se passe, c'est de le colorier. Et de le colorier avec des couleurs vives et toujours de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire que vous commencez à faire dessiner et colorier vos enfants sur le grand cercle, puis sur la taille en dessous et en dessous et en dessous et finir par le dernier. Alors moi, le dernier, je mets tout le temps un petit soleil pour amener justement ce bien-être, cette lumière à l'intérieur de nous dont on a bien besoin. Le fait de dessiner de l'extérieur vers l'intérieur va aider les enfants à se recentrer, à se recalmer, à poser cette agitation et à venir recentrer au niveau émotionnel. Donc c'est vraiment important de le dessiner et de le colorier de l'extérieur vers l'intérieur. L'autre exercice que je vous propose, c'est aussi avec les enfants de faire un jeu pour justement aussi calmer au niveau émotionnel en utilisant le oui et non. Sauf que le oui et non, on ne va pas l'utiliser avec les mots, mais on va l'utiliser avec des gestes. C'est-à-dire qu'on va proposer à l'enfant d'imaginer un animal pour le oui et d'imaginer un autre animal qui va répondre non. Par exemple, imaginer un oiseau, quand on va dire oui, on va venir ouvrir les ailes. Et puis pour le non, on va en général choisir un animal qui va plutôt être renfermé. J'imagine le chien qui se fait disputer, qui baisse sa tête. Et donc, on va faire ce jeu où on va poser des questions pendant un moment et puis l'enfant ne pourra répondre qu'en faisant le oui avec son animal ou le non avec son autre animal. Donc là aussi, ça va permettre beaucoup de poser l'agitation. Ça va permettre de se recentrer aussi sur ses émotions. Et puis, ça permet aussi de rigoler. Ça permet aussi un peu de calme pour les parents, quand on ajuste le mouvement. Ah, parce qu'ils n'ont plus le droit de parler, du coup. Ils n'ont plus le droit de parler. Voilà, je ne comprenais pas tout l'intérêt. Maintenant, je l'ai. Pour les parents, c'est ça. Effectivement. C'est juste pendant 5 minutes. Et justement, ça permet de poser justement cette agitation et de ramener le calme et la sérénité à l'intérieur de l'enfant. Aussi, il se reconnecte uniquement à son ressenti avec ces mouvements-là. Donc ça aussi, c'est très intéressant pour l'enfant. Les parents peuvent le faire aussi. Hein, ou quand l'enfant pose des questions, le père ou la mère va répondre uniquement en faisant l'animal. Ça va permettre déjà de partager un bon moment ensemble. Et tous ces exercices vont ramener le calme aussi, la sérénité, l'unité aussi au sein de la famille. Se recentrer sur ce qui fait du bien. Oui, parce que l'enfant, s'il est un peu actif, c'est aussi qu'il a une demande d'attention. Donc, si on prend du temps pour faire les exercices avec lui, il sera comblé à ce niveau-là. Il aura vraiment l'impression qu'on s'est occupé de lui et qu'on a fait quelque chose avec lui. Donc, c'est tout l'intérêt de faire ces exercices en famille, effectivement. Oui. Le dernier exercice que je vous propose, il est un petit peu plus compliqué, mais dans la description. Ah, c'est ton jeu ? C'est le jeu. Le mystère des détectives. Alors, quand je dis la première chose, ça va être de définir un animal qui va devenir le détective. C'est-à-dire, ça peut être le mystère des marmottes détectives, le mystère des koalas détectives, le mystère des chiens détectives. Voilà, vous allez déjà trouver en famille un nom d'animal qui vous fait envie à tous. La deuxième chose, vous allez choisir un lieu pour poser votre énigme. Par exemple, ça va se passer dans une ferme, ça va se passer dans une maison hantée, ça va se passer dans une fabrique de jouets, ça va se passer dans un zoo. Et ensuite, vous allez avoir des choses qui vont être imposées, entre guillemets, pour créer votre histoire. Il va y avoir un animal, il va y avoir un objet. Par exemple, une pelle ou un chandelier ou un vase. Il va y avoir un endroit. Ça peut être un puits dans la ferme ou la grange, ou une pièce secrète dans la maison hantée, ou une galerie souterraine dans le zoo. Ensuite, vous allez choisir un vêtement, un fruit, un légume, un bonbon, une personne. Ça peut être le cousin, le copain, l'oncle, la tante, la grand-mère. Et un accessoire. Le chapeau, le sac, des bijoux.
Et donc, vous allez lister tout ce que vous avez choisi pour pouvoir construire votre énigme. Et puis après, vous allez partir sur la création de cette énigme tous ensemble en famille. La première personne va commencer l'histoire en disant « C'est l'histoire des marmottes détectives qui avaient été appelées par, alors peut-être l'animal que vous avez choisi, par la vache, pour venir résoudre une énigme dans la ferme. » Et puis la deuxième personne va continuer l'histoire en rajoutant un élément à cette histoire avec un autre mot que vous aviez défini dans la liste. Donc l'autre personne va reprendre, c'est l'histoire des marmottes détectives qui ont été appelées par la vache dans la ferme car l'appel a mystérieusement disparu. Et puis la troisième personne va reprendre l'histoire comme ça, pareil au fur et à mesure, et va rajouter encore quelque chose à l'histoire avec l'autre chose que vous avez choisi, par exemple avec le vêtement, avec le légume ou avec la personne, par exemple, c'est l'histoire des marmottes détectives qui ont été appelées par la vache dans la ferme pour résoudre la disparition mystérieuse de la pelle. Ils ont été prévenus par la grand-mère de la vache que la pelle avait disparu. Voilà, et vous continuez chacun à votre tour à créer cette histoire. Chaque personne donc continue avec un résumé du début et en rajoutant son idée en utilisant à chaque fois un élément choisi supplémentaire jusqu'à arriver à résoudre du coup l'énigme, c'est-à-dire où l'appel avait disparu, qui l'avait peut-être planqué ou volé ou voilà, et ça permet de créer une belle histoire tous ensemble. Et puis une fois l'histoire finie, eh ben vous pouvez compléter aussi en demandant à vos enfants de faire un beau dessin qui résume justement cette histoire. Donc ça travaille beaucoup la concentration et la mémoire, l'imaginaire, et puis ça travaille du coup aussi beaucoup les émotions. Notamment si on fait par exemple notre histoire dans la maison hantée, ben on va se rendre compte qu'à certains moments ça va peut-être travailler sur la peur. Et puis surtout, ça aussi, hein, je vous le dis parce que je l'ai fait aussi avec mes enfants quand ils étaient plus petits, on rigole bien. Bah génial, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Ok, on se retrouve en tout cas, ça c'est sûr, la semaine prochaine. Et c'est vraiment un des bons moments de partage. On est très très contentes de pouvoir partager un petit peu nos connaissances. Bon bah en attendant de vous retrouver. On vous fait des gros bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et brillez les stars. Brillez les stars. Ciao.